rappelle, l'Observatoire africain de la sanction positive est une structure non gouvernementale qui est mise sur pied pour décerner des prix, des mérites et des distinctions. Elle prône le respect de la loi, l'éthique, la foi et la conviction. Excellence, Monsieur le représentant du président de la République démocratique du Congo, les chefs de l'État, avec les hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le représentant du chef de l'État de la République du Congo, avec les hommages les plus différents. Honorable, Excellence, Monsieur le représentant de l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le représentant du président du Sénat. Excellence, Monsieur le représentant du Premier ministre et chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le représentant de l'archevêque de Brazzaville. Excellence, Monsieur le représentant de l'archevêque Kinshasa. Excellence, Monsieur le représentant du président de la Conférence épiscopale du Congo. Excellence, Monsieur le représentant de la Conférence épiscopale du Congo, CERCO. Excellence, Monsieur le représentant du secrétaire général à la présidence de la République, du Congo. Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassadeur du nonce apostolique. Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de la RDC au Congo. Monsieur le délégué itinérant d'Afrique, d'Afrique à Télima, Tchad. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des nations. Honorable, distingués invités à vos titres et qualités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes cordiales salutations. Le degré d'humanisme qui se dégage de la spécificité de l'enseignement de l'évangile du Père Jean-Marie Bukassa Malou est très pratique. Un homme simple, spirituel, qui aura consacré à marier la parole de Dieu avec les œuvres de charité. Fierté du continent noir, il est le chantre de la paix par excellence. Il encadre depuis de longues années des enfants en difficulté. Il les recommande pour la scolarisation et pour leur logement. Il les nourrit, il les entoure de l'affection qui leur fait défaut. Lumière incandescente d'une société de dialogue, de justice et de paix, infatigable ouvrier de l'amour du prochain, cofondateur d'une société de justice, d'équité et de créativité, il est l'arc-en-ciel du soleil levant du continent africain. Son amour de l'action et des œuvres plaide pour la reconnaissance sociétale aujourd'hui, Inc. and More. Nous sommes convaincus, en guise de conclusion, que le Père Jean-Marie Bukassa, détenteur et détenteur d'une aura qui dépasse les limites d'un simple homme de Dieu. Il mérite pour la postérité de porter le titre honorifique d'ambassadeur de la nation de l'OASP. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables invités à vos titres et qualités, notre association, dotée d'une personnalité juridique et autorisée par le ministère de l'Intérieur et Sécurité, nous sommes dans la légalité la plus absolue. L'Observatoire africain de la sanction positive est une ASBL à caractère international de droit congolais initiée en 2001 pour promouvoir la paix, les valeurs positives, l'augmentation des capacités, l'assistance aux déshérités et le soutien aux activités de développement. Avec un jury composé de professeurs de différentes universités, l'objectif est de créer une dynamique, mieux un engouement en faveur des valeurs positives. Ces valeurs du reste promues par la charte
de l'Union africaine. Elles font l'objet d'une programmation mensuelle et visent entre autres d'encourager les bénéficiaires à persévérer sur la voie difficile qu'ils ont choisie. Le pari étant d'atteindre par sélection la masse critique des femmes et des hommes attachés à la paix, respectueux des valeurs positives de la société. Des hommes et des femmes d'action, visionnaires, qui écoutent beaucoup, qui aiment le dialogue, qui aiment la réflexion, qui aiment l'originalité et qui, pour l'indépendance de nos pays, sont des hommes et des femmes qui ne reculent jamais. Depuis la création, l'Observatoire africain de la sanction positive est resté très chiche. En effet, c'est la première fois que l'Observatoire a ainsi créé aujourd'hui un ambassadeur des nations. Quelle différence y a-t-il entre un ambassadeur des nations et ambassadeur de la paix? L'ambassadeur de la paix, c'est un homme qui travaille pour la paix des communautés dans un pays. Tandis qu'un ambassadeur des nations, c'est un homme qui a une étoile en plus, si on parlait en langage des généraux de l'armée, qui a une étoile en plus et qui doit et qui travaille sur la paix des pays, des nations. Mesdames, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, par ailleurs, notre association a recommandé et réussi à recommander des personnalités au titre de docteur honoris causa, le premier à l'UNIKIN dans le domaine de la paix et d'autres à Miami Institute, élevés au rang de docteur honoris causa de Miami Institute en Floride, aux États-Unis. Ainsi, votre serviteur, élevé aussi au titre de docteur honoris causa en communication transpersonnelle de la même université, est à votre service. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers nominés, mine vivante des valeurs positives et d'amour sans limite, lumière incandescente d'une société qui se recherche, vous êtes l'arc-en-ciel du soleil levant, vous êtes le levain de la pâte offert aux convives du repas princier, vous êtes la fleur d'hélice d'une espèce recherchée. Ainsi donc, voyez-vous, notre choix est comblé, vous méritez d'appartenir au panthéon des hommes et des femmes qu'on n'oubliera jamais. Des hommes et des femmes recherchés jadis à l'entempête désespérément par Diogène le philosophe du temps d'Alexandre le Grand. Par ailleurs, voici 24 critères qui ont gouverné au choix que nous avons opéré sur vous au milieu de tant de Congolais, de tant d'Africains qui auraient voulu devenir eux aussi ambassadeurs des nations comme vous. Le critère qui a 4 points, si cela touche votre cœur, chère assistance, je vous demande, par vos applaudissements, de démontrer que vous avez accepté ce que nous avons trouvé, nous, en tant que membres du jury. Premièrement, le leadership communautaire est une forte personnalité tous azimuts. Le savoir-être. Le sens.
une simplicité toute remarquable. L'attachement à la paix. 24 enfin, un homme attaché aux deux Congos et qui est le pont par excellence, la paix qui est le pont entre les deux républiques et qui ne trahira jamais aucune de ces deux républiques. Excellences, honorables, distingués invités, révérend père Jean-Marie Kukasa Mal, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, s'est réjoui suffisamment lorsqu'il a reçu l'invitation d'honneur afin de participer personnellement à ce couronnement d'un homme distingué. Mais compte tenu de ses charges d'État, en dernière minute, il s'est excusé. Et nous a chargé de vous saluer très chaleureusement. Mais, comme je venais de le dire, à cause de ces charges, il s'est revenu lui-même. Et j'ai senti ça, j'ai vu ça moi-même. Vraiment, il était très ému. Notre premier message de soutien et d'encouragement s'adresse à l'Observatoire africain pour les actions pérennes et les valeurs de la paix, base du développement de... Excusez-moi, les yeux étaient à côté. Base du développement de la société qui a bien voulu accorder à ce digne fils du pays ce titre honorifique bien mérité d'ambassadeur des nations. Que les éminents professeurs, membres du jury, auteurs de cette élévation des différentes universités, trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. D'une manière particulière, nous présentons à l'heureux lauréat le révérend père Jean-Marie Bukasamalo, nos vives et sincères félicitations pour cette distinction honorifique qui non seulement vous élève, mais élève surtout notre pays, la République démocratique du Congo, qui en est très fière. Révérend père, en rejoignant vos pères ambassadeurs, nous sommes convaincus
que notre Père Céleste élargira encore davantage votre foi, votre vision, votre humanisme, votre solidarité envers les démunis, afin d'entraîner plusieurs dans ces vastes champs vierges de l'Afrique, de la République démocratique du Congo en particulier. Les Écritures saintes nous interpellent chaque jour que, quand les justes se multiplient, le peuple sera dans la vie. À ce stade, à travers vous, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, lance un vibrant appel à tout le peuple congolais à développer les valeurs humaines, fondement du développement durable, et à soutenir ce digne fils du pays, ayant placé l'homme au centre de son action. Nous avons cité Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellences, distingués invités, la répétition étant la mère des sciences, nous citerons quelques-unes de ces valeurs humaines à développer, notamment le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil, l'ouverture, l'entraide, la solidarité, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, la fraternité, l'affection et l'amour, la démocratie, l'équité et la justice envers d'autres êtres humains. Que vive l'Observatoire africain pour les actions pérennes et les valeurs de la paix, base du développement de la société. Que vive à jamais tous nos ambassadeurs des nations que nous vous invitons, nous invitons présentement à acclamer très fort. La photo d'abord.